Allez, ça sera calme, voilà. Laisse un peu plus, fléchis un peu plus dans le cerceau. Voilà. Voilà, plus facile, c'est ça. Bien joué, Yacine. C'est ça, il faut investir, c'est ça, les gars. Bonsoir Moustapha, on est ici donc au stade Saint-Claude pour l'entraînement de l'AS Besançon Espérance qui va rencontrer ce samedi le FC Sochaux Montbéliard. Et on peut voir les joueurs qui sont en train de s'entraîner juste derrière nous. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup d'effervescence avant ce samedi. Comment justement vous êtes en ce moment ? Bonsoir Fred, tout d'abord on est très 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 content d'affronter le meilleur club de la région de Franche-Comté, le FC Sochaux. C'est un club emblématique, donc c'est un honneur de le recevoir au Léo Lagrange ce samedi-là. Et du côté de mes joueurs, ils sont tous en enthousiasme de pouvoir jouer ce match. Bon, il y a quand même 7 divisions d'écart, mais après on sait que c'est aussi la magie de la Coupe de France, tout peut arriver. Oui, tout peut arriver, voilà, moi je me voile pas trop la face, hein. C'est plutôt une fête pour mes joueurs qui sont là depuis quelques années. Pour vous donner un exemple, ça fait 2-3 ans que le groupe vit ensemble et on a réussi à faire la montée l'année dernière, c'est une récompense. Oui, c'est un club qui est né en 2017, qui a été repris, je crois, en 2017. Exactement. Voilà, c'est un club qui a été repris en 2017, qui a été, on va dire, reconstruit avec le président et puis le président Nordine et Younis et puis Zidane. En fait, c'est une bande d'amis. Une bande d'amis, et au final, une bande d'amis, ça a donné un 5e tour de Coupe de France. Bon, j'imagine que l'organisation, quand on reçoit Sochaux, ça doit être compliqué quand même quand on est un club amateur. Je ne vais pas vous mentir, je savais pas que c'était aussi compliqué que ça, mais je tenais à faire un gros gros remerciement à la ville de Besançon. Sans eux, on n'aurait pas pu réussir. Franchement, merci à eux. Il y a aussi beaucoup de bénévoles, j'imagine. Ça a été facile justement de rassembler beaucoup. On a rassemblé la totalité des bénévoles, mais on va en avoir à peu près une cinquantaine, c'est ce qu'il faut. On sait qu'il y a plusieurs joueurs dans l'effectif qui ont évolué à un plus haut niveau. Justement, à quel match tu t'attends face à Sochaux samedi ? Franchement, voilà, ça reste quand même une équipe de nationale, même si j'ai des joueurs qui ont joué au plus haut niveau. Le rythme de la D2, ce n'est pas le rythme de la nationale. Donc à mon avis, comme j'en parlais encore à France Bleu Besançon, je vais construire un mur et puis je vais les attendre. Hein. Voilà. Et si jamais on a 2-3 contre-attaques, on tentera notre chance. Mais franchement, en toute sincérité, de pouvoir jouer contre une équipe de nationale, c'est compliqué. Bon, maintenant, il faut espérer qu'il y ait beaucoup de monde, parce que c'est ça aussi le but, c'est de faire venir les gens avec des prix très attractifs aussi également. C'est pour ça que je fais un appel à tout le peuple bisontin, à tous les supporters bisontins de venir nous encourager au stade. C'est avec leur encouragement qu'on pourra peut-être créer un exploit. Oui, c'est la magie de la Coupe de France. Il y a des exploits tous les ans, pourquoi pas samedi ? Pour moi déjà, c'est déjà un exploit d'arriver au 5e tour de la Coupe de France pour un club de 2e division de district. À l'origine, la Coupe de France c'était pour préparer nos matchs de championnat, comme on n'a pas pu faire de préparation, comme on est un club amateur, les personnes y travaillent tous à côté, donc ils sont tous un peu partis en vacances au mois de juillet, août, donc on n'a pas fait de préparation, donc on a décidé de s'inscrire en Coupe de France pour avoir un ou deux matchs pour se préparer pour le championnat. Et au final, on arrive au 5e tour de la Coupe de France et voilà, le Graal de tout ça, c'est qu'on affronte le FC Sochaux. Et vous êtes la seule équipe de la capitale comtoise à arriver à ce niveau-là cette saison. Voilà. Donc samedi, on va représenter le Besançon Espérance et tous les autres clubs de Besançon. Voilà. Bon, un petit mot pour ceux qui vont regarder, justement, pour les inciter à venir au stade et puis à vivre de belles émotions, à vivre un bon moment. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de vous. Voilà. Merci beaucoup, Moustapha, et puis à samedi. Ok, merci.